Alors bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition de Pepito Live Costa Rica. Aujourd'hui les amis, un sujet très intéressant pratico-pratique. Donc, euh, de plus en plus, les gens, quand ils nous parlent de venir vivre au Costa Rica, évidemment, ça demande un endroit où vivre, mais aussi, à l'occasion, évidemment, ça demande des modes de transportation. Donc, aujourd'hui, nous allons euh, consacrer l'émission à ce thème, pratico-pratique. Comment faire pour, en fait, euh, acheter euh, une auto? Euh, une co au Costa Rica. Donc euh, on va aborder ce sujet-là sous euh, différentes étapes jusqu'à la conclusion euh, finale. Donc des conseils pratico-pratiques basés en fait sur beaucoup euh, des expériences que nous on a acquises ici au Costa Rica depuis notre arrivée, notamment entre autres comme comme entrepreneur, comme comme personne étant dans les affaires, nous avons une agence touristique donc ça implique euh, beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions avec les véhicules, tout ça. Donc on a appris des bons trucs qu'on va avec vous évidemment aujourd'hui aussi aujourd'hui les, les amis euh, si vous avez le goût de faire des commentaires via la section clavardage ou poser des questions via notre canal YouTube Pepito Live Costa Rica ou encore même à travers les canaux Facebook à travers euh, Pepito Live Costa Rica sur sur Facebook ou d'autres euh, d'autres pages Facebook également vous êtes les bienvenus également aussi ce qu'on veut vous dire c'est que si vous avez le goût et euh, le goût et, et l'audace et le courage de venir nous poser une question via caméra. Donc voici le lien que vous allez pouvoir voir effectivement dans le canal euh, Pepito Live Costa Rica sur YouTube. Posez votre question en direct à Pepito via votre webcam et le lien est là le streamyard.com avec le slash le 3 u euh, c en tout cas euh, tout ce que ça l'implique donc euh, venez nous faire euh, euh, venez nous faire une petite conversation pique une jasette comme on dit ou poser les questions que vous aurez ça va me faire bien plaisir donc c'est très facile vous cliquez sur le lien c'est un peu comme rentrer dans un module zoom euh, donc euh, ça va nous faire plaisir. Également, euh, bon, comme on a commencé une nouvelle tradition pendant l'émission, en fait, de faire des tirages. Donc, euh, à la fin de l'émission, on va faire tirer un certificat cadeau de costour, donc de 20$. Et puis, le code pour ça, en fait, vous allez devoir faire. Euh, euh, ce qu'on appelle le dièse Pépito. Donc, dièse Pépito, donc un certificat cadeau de 20 dollars qu'on va faire tirer à la fin de l'émission. Donc, euh, je vois qu'il y a déjà des commentaires, il y a déjà des questions qui sont là. Euh, ça, ça va nous faire plaisir. Avant, les amis, qu'on qu « qu jump » dans le sujet du jour, comme on dit en bon français, il y a quelques mois, euh, on a fait une émission spéciale avec Julie Aubin, une jeune québécoise euh, qui a souffert d'un accident de vélo il y a euh, quelques années. Et Julie Aubin a entrepris une grande réhabilitation euh, et elle a vraiment souffert de troubles physiques et de troubles crâniens. Maintenant, depuis quelques mois, elle a entrepris ce projet de vouloir traverser le Canada à vélo. Et tout ça euh, dans une perspective de vouloir remettre à la communauté, mais c'est une levée de fonds qu'elle fait. Son objectif, c'est de ramasser un dollar par kilomètre traversé au Canada, donc en, en 12 000 et 15 000 dollars. Et on a reçu Julie Aubin à notre émission. Elle nous a parlé de ses, de ses défis. Elle a, elle est déjà euh, évidemment euh, euh, bien engagée dans sa traversée. À l'occasion, elle nous fait des petits euh, reportages. On vous invite à regarder. Ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais ça fait partie du cadre de sujets qu'on aime à présenter sous le volet de personnes qui ont du courage et de, le, de la détermination qui font des choses absolument, absolument incroyables. Donc. Euh, sans plus tarder, euh, commençons en regardant le petit reportage spécial que Julie Aubin nous a présenté. Nous sommes ici, la Cloïse. 239 kilomètres nous séparent de Jasper. La route des glaciers. Un gardien de parc nous donne une information qui ne nous plaît pas. Impossible de dormir en camping sauvage dans ce parc national. Les campings sont fermés, il est trop tôt dans la saison. D'autant plus qu'une maman grizzly, récemment réveillée, rôde aux alentours et notre nourriture est la cible parfaite. En voyage, chaque contrainte peut devenir une opportunité. Notre solution Louer une voiture que nous déposerons à Edmonton pour profiter de la nature et du parc national. Cela nous permet de faire quelques randonnées et reposer nos muscles fatigués. Me voici en randonnée à Jasper. Suite à un traumatisme crânien d'il y a quelques années, la randonnée en haute montagne m'était impossible car l'altitude me déstabilisait. À ce moment, je me sens forte et prête à tenter cette montagne de 2200 mètres. Le bonheur m'envahit. Enfin, je suis là. Enfin, je réussis cette montée. Enfin, mes symptômes ont disparu. Pas à pas, je monte cette montagne. Pas à pas, le bonheur de réussir s'imprègne en mon être. Et soudain, je ne sais plus avancer. Je ressens les symptômes d'il y a trois ans. Je ne veux plus revivre cette faiblesse. J'ai peur. Je tremble toujours. Je n'ai plus d'équilibre. Un pas en avant est interminable. Le sommet est là et je veux l'atteindre. Je résiste, je continue. J'ai peur de rester dans cet état. Il y a un mélange entre le bonheur et la fierté d'avoir réussi à me rendre si haut et le désespoir du retour des symptômes. 1800 mètres. Comment se fait-il que je n'avance plus? Comment se fait-il que mon corps résiste Comment se fait-il que ma tête ne contrôle plus rien Et cette montagne si menaçante qui ne me permet pas de faire un faux pas Je suis maintenant à 1000 mètres d'altitude. Mes pertes d'équilibre s'atténuent et je retrouve ma stabilité intérieure. Une fatigue s'empare de moi et un repos de quelques jours est grandement apprécié. De retour sur le vélo, je réalise que cette peur est derrière moi. La transition brutale entre les montagnes et les plaines s'impose. Alors voilà, les amis, c'était Julie Aubin dans sa traversée du Canada, sa traversée de l'espoir. Son objectif, ramasser 12 000 à 15 000 dollars, qui seront contribués au Répit Jeunesse pour venir en aide aux jeunes évidemment euh, au Québec. Donc, euh, s'il vous plaît, allez visiter la page euh, web de Julie. Et s'il vous plaît, je vous encourage à, à l'appuyer, à lui envoyer un petit message ou à lui faire un petit don, aussi aussi généreux qu'il soit, peu importe euh, bon, ce que vous avez le goût de faire. Donc, le sujet du jour aujourd'hui, les amis, OK, on est là maintenant pour parler euh, du Costa Rica. Et euh, bon, là, on veut s'acheter, on veut s'acheter une, une auto au Costa Rica. En fait, ça paraît quelque chose de simple à faire quand c'est dans notre pays. Puis tout ça. Puis, euh, euh, bon, on a déjà euh, des paramètres. On a une bonne idée euh, comment ça se passe, tout ça. Mais quand on arrive d'un pays étranger, ça peut être un peu. Euh, un, un petit un petit défi donc euh, gênez-vous pas aujourd'hui si vous avez des questions par rapport à ça et puis euh, bon on a un petit euh, message en fait euh, qui dit de jo euh, de José Lapointe. très beau montage elle est courageuse Julie félicitations merci pour ce message euh, Terry Gallant qui nous dit salut Pépito oubliez pas les gens là si vous voulez euh, participer au concours oubliez pas le dièse c'est pas juste d'écrire Pépito faut mettre le dièse ok un peu comme ça ici ok euh, Priscille Turcotte, qui a mis son petit Diaise. Nancy Kemp, allez, salut Pépito avec son petit dièse. On a un petit message de Marchand Daniel. Daniel Marchand, hello de la Suisse. En tant que futur expatrié du Costa Rica, très intéressé par ce sujet. On y arrive sans trop tarder. Puis on a Julie Lapointe qui nous dit Ce soir, j'écoute avec mes écouteurs. Moi bon, aussi, j'ai mes écouteurs, Julie, mais je suis pas branché, c'est la game de hockey et à une joute des Canadiens. <laughs> ben merci d'être là <laughs> avec nous euh, plutôt euh, qu'être dans, dans, dans la joute de hockey. Carole Kennel, un snowbird, donc sans adresse au Costa Rica, ni permis de conduire au Costa peut-il acheter une auto au Costa Rica? Est-ce facile de trouver de l'entreposage couvert? Bon. Fait que Carole, oui, en fait, c'est possible d'acheter euh, une auto au Costa Rica. C'est en plein le sujet euh, du jour. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Pour avoir de l'entreposage, oui, évidemment, il y a des options. Entre autres ici au Guanacaste, notamment plutôt autour des aéroports, autour de l'aéroport de Liberia, autour de l'aéroport de San José. Il y a des entreprises, en fait, qui sont spécialisées euh, dans ça. Donc, euh, Terry Galant qui nous dit euh, bon, justement, Diaz, Pépito, super sujet. Bon, euh, donc euh, euh, on y va. Les amis, on commence par, en fait, euh, souvent les gens vont nous dire Bon, ben, je m'en viens vivre au Costa Rica, puis. Euh, je vais apporter mon, mon auto euh, du, du Québec euh, ou du Canada ou euh, de peu importe. Euh, donc, euh, je m'en vais au Costa Rica, j'amène mon auto, j'aime bien ma deux, 2015 euh, Honda Civic. Donc, euh, je m'en vais au Costa Rica puis je vais la faire euh, mettre dans un container puis je l'amène au Costa Rica. Euh, souvent, les gens vont poser la question est-ce que c'est une bonne idée, euh, oui ou non, avant même d'acheter On va aborder ce sujet-là premièrement. Et puis j'ai fait un petit ex exercice. En fait, souvent c'est c'est le, le réflexe des gens est, est souvent de dire non 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 c'est pas une bonne idée. Il euh, y, y a des ça ça implique différentes taxes, ça implique bon des conséquences par rapport euh, à la livraison du véhicule par, euh, par container, etc. Donc, euh, donc, je me suis prêté à un petit exercice que je veux partager avec vous sur, euh, sur ce sujet. Là, je vérifie toujours en même temps euh, les questions. Bon, on a Sylvie Lachapelle qui participe au concours avec son, son, euh, son hashtag, euh, son dièse, Pepito. hola, hola Sylvie, comment est-ce? Euh, donc, euh, là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris, euh, un peu, euh, comme un sujet un sujet type ou un sujet modèle. Donc, j'ai. Je me suis dit donc, j'apportais euh, Ma Honda 2015, justement, du Québec, et je veux l'utiliser, en fait, euh, tu sais, comme exemple. Après ça, on va regarder si on décide de ne pas apporter notre auto. On ajoute un auto au Costa Rica, qu'est-ce que ça peut représenter, les différentes implications? Comment on fait pour vérifier tout ça? Qu'est-ce que ça peut coûter? Euh, bon, faire une transaction, tout ce genre de choses-là. On va amener ça. À point, jusqu'à jusqu la fin. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Puis si vous voulez faire des questions par euh, par webcam, gênez-vous pas non plus. Puis les amis, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné à Pepito Live Costa Rica, c'est le temps de le faire sur YouTube. Je veux vous dire une chose, les gens qui nous regardent euh, via Facebook, c'est pas parce qu'on n'aime pas Facebook, mais c'est limiter l'information qu'on peut vous partager. Aujourd'hui, je vais vous donner des liens très importants sur les différentes sources Okay, D'informations que je vais partager avec vous, entre autres, la Hacienda, qui est le ministère euh, des Finances du Costa Rica, différents sites web où acheter des autos, ce genre de choses-là. Les liens de ça vont être montrés à l'écran, mais vont être partagés dans le fil descriptif de Pipito Live Costa Rica seulement sur YouTube. Donc, si vous voulez facilement accéder à cette information-là, les amis, c'est YouTube. Okay? Donc, on y va avec notre, euh, notre petit exercice. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai choisi euh, une Honda Civic 2015, quatre portes automatiques. Donc, ça va être notre modèle K, si on peut dire. Euh, là, je vous amène dans une, une, une page. Euh, une page type du ministère de la Hacienda. Le ministère de la Hacienda au Costa Rica, c'est le ministère des Finances, le ministère des Revenus du Costa Rica. Donc, dans ça, il y a un engin de recherche. Dans cet engin de, de recherche, vous pouvez entrer les particularités du véhicule que euh, vous voulez importer au Costa Rica. Parce que oui, effectivement, il va y avoir une taxe d'importation de votre véhicule. Donc, vous rentrez tous les détails. Dans ce cas ici, euh, bon, j'ai mis une 2015, j'ai mis une Honda Civic parce que c'est un modèle populaire, la LX, quatre portes, automatiques, bleue. Et puis là, vous pouvez voir qu'il il apparaît un champ. Donc, dans le champ, on voit ce qu'on appelle la valeur des haciendas. Donc ça, et puis on voit ça évidemment en colonise, mais tantôt, Pépito va vous traduire ça en dollars canadiens. Okay? Donc ça nous montre le montant d'évaluation en colonnais. Donc dans ce cas ici, c'est 9 550 000 colonais. Et puis ça nous donne la valeur d'importation et... Euh, selon le décret numéro euh, 33096 euh, en fait du ministère du Transport du Costa Rica. Donc ça, ça nous donne un chiffre en colonne également, qui est 5,157,000 quelque chose. Okay? Donc ça, c'est pas le montant de votre taxe. À partir de ce moment-là, il faut calculer 73 de cette valeur-là. Puis ça, en fait, ça va nous donner des chiffres. Donc là, je me suis euh, amusé à vous monter ici euh, un petit tableau donc on va regarder ensemble donc là ma euh, ma euh, ben l'achat que je veux faire ok euh, en fait de, de 15 000 dollars ok euh, là je vous présente différents chiffres ok là il va y avoir des frais rattachés évidemment euh, à ça. Et il va y avoir en fait les frais que je vais vous montrer selon ici le tableau que vous allez voir. Donc, OK? Donc, pour un une auto d'environ 15 000 il va y avoir ce qu'on appelle impuestos y traspaso. OK? Donc, euh, ça ici, c'est euh, les taxes et les transferts. Donc, il faut calculer 2,5 il faut calculer également euh, les timbres au Costa Rica, 150 euh, US, ici en US, et les honoraires à 300 pour un total de frais de 825 Donc ça, c'est quelque chose euh, de, de très important, euh, les amis. Euh, à part ça... Dans le, 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 le tableau qu'on vous présente aujourd'hui, là je m'aperçois que, euh, en fait, mon tableau il n'est pas là. Je suis un peu embêté dans ma, dans ma patente. Euh, en fait, mais j'ai les chiffres quand même. Je vais vous donner quand même une, une, une bonne idée. En fait, ce que ça va coûter, euh, ça va vous coûter. Bon, cette auto-là, on parle ici d'un auto qui valerait environ... Euh, 12 000, euh, 15 000, 12 500 environ au Québec. Avec les taxes d'importation de cette auto-là, on parlerait d'un montant d'environ 4 500 de taxes d'importation. Heureusement, je m'en souviens par cœur. Donc, il faut rajouter ça au montant. L'auto qui vaut 12 500 menos plus ou moins au Québec, au Costa Rica, dans les livres du, du, du ministère du Revenu, de l'Acienda, valerait la même auto, la même, la, la, même, la même auto de 12 500 à 15 000. Au Costa Rica, va valoir environ 16 000 Mais là, pour apporter votre auto ici, ça va vous coûter 4 500 de taxes sur votre auto que peut-être au Québec à vos 12 000, 12 000, 12 000 Et en plus de ça, ça va vous coûter un autre 4 000 à 4 500 pour importer votre auto dans un container. Donc, si vous faites les chiffres, euh, c'est vraiment pas payant. Puis là, ici, on parle d'un prix quand même modeste euh, du Québec, euh, d'une auto moyenne, d'une 4 portes 2015, donc le plus le plus neuf va être l'auto, le plus haut vont être les chiffres, évidemment, et plus, le plus grand va être l'écart par rapport aux taxes et tout ça. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que c'est pas payant, les amis, d'importer son auto euh, euh, du, du, du Canada, du Québec. Et ça, c'est en plus des troubles que vous allez, pouvez avoir attachés à ça. C'est pas facile, c'est complexe, le dédouanage, tout ça. Il faut que ce soit fait avec des professionnels. Donc, euh, ce pas une option qui est recommandée. Donc, l'option qui serait en fait euh, recommandée, ça serait vraiment de regarder pour un achat local. Puis on va reviser encore une fois tantôt euh, tous ces chiffres-là. On a Simone Morin qui nous dit bonjour, on a Danny Walsh encore et qui nous fait un petit pépito, et puis bon, il y en a d'autres qui sont là. Maintenant, on décide finalement qu'on n'importe euh, pas notre auto, auto du Québec et puis qu'on va se concentrer euh, en fait à en acheter une au Costa Rica. Bon, qu'est-ce que ça va impliquer? Euh, en fait, c'est bon. Là, on a décidé que c'est ça. Le financement, ok. Donc, parce que là, finalement, je l'apporte pas mon auto, mais là, je veux savoir est-ce que c'est possible Bon, j'arrive au Costa Rica. Est-ce que je peux C'est possible pour moi, finalement, avoir du financement au Costa Rica Bien, la réponse à ça, c'est comme on a fait une émission dernièrement sur le financement pour les propriétés, les maisons. C'est que c'est Très difficile, quasi impossible d'avoir du financement au Costa Rica euh, pour des étrangers si vous n'avez pas ici une résidence légale établie, que vous n'êtes pas ici depuis un bout de temps, tout ça. Donc la réponse en fait pour avoir du financement pour acheter un auto au Costa Rica, c'est pas compliqué. La réponse, elle est non. Ok, donc euh, il faut que vous arriviez avec vos sous euh, euh, d'ailleurs du Canada, du Québec, si vous avez l'intention de vous acheter euh, une auto. Un autre conseil, les amis, ok, que je vous donne. Là, si disons, là, vous êtes déterminé, vous avez votre argent, vous voulez euh, euh, procéder avec l'achat d'une auto. Une chose très importante, ok, un autre point très important, trouver un avocat de confiance, ok. Très important, trouver un avocat de confiance. Euh, si vous arrivez ici, vous êtes expatrié, vous en venez vivre ici, parlez avec les gens autour de vous, OK? Prenez pas le premier avocat, OK, au, au, à, à côté, là, OK, euh, dans la rue principale. Parlez aux gens, demandez aux gens. Qui sont les personnes de confiance? Qui sont établies ici depuis longtemps? Quelles sont leurs réputations? Est-ce que vous avez déjà transigé avec cette personne-là? Est-ce que euh, le travail s'est fait euh, dans les échéances voulues? Est-ce que ça s'est fait à terme? Tout ça. Vérifiez les références de votre avocat. Ok, il y a des codes d'éthique ici au Costa Rica, mais il y a des manières de travailler des fois qui sont un petit peu différentes. Je ne suis pas lié, ok. Donc je vais juste vous dire, ok. Trouvez-vous un avocat de confiance parce que pour acheter une auto au Costa Rica, c'est pas comme acheter une auto au Québec ou au Canada où on signe le, 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 le petit papier, chacun donne sa signature, puis vous en allez au ministère, vous en allez au bureau du transport, puis vous faites le changement de de, de titres ainsi. Au Costa Rica, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, euh, si vous regardiez le, le contrat d'un achat d'un auto au Costa Rica, c'est presque euh, comme regarder le contrat d'un achat d'une maison euh, au Canada. Donc, ça se fait par la collaboration, la participation d'un avocat. C'est comme ça que ça se fait, OK? Euh, puis euh, les textes, c'est généralement assez complexe et ça se fait généralement toujours en espagnol, le contrat okay, officiel toujours en espagnol. Donc, ça vous prend un avocat, OK? Donc, comment est-ce qu'on peut trouver euh, une auto? Il y a différentes façons de le faire. Je vais aller voir ici... Euh, Bon, ici on a Hélène Dubé qui pose une question. Euh, est-ce que la location, elle, elle est possible La réponse, elle est non, la location elle n'est pas possible, pas à travers euh, un, comme un contrat euh, ou, un, ou, un, ou un contrat à l'achat comme on voit au, au Canada, c'est pas possible. Donc vous n'avez pas vous avez pas les privilèges de faire des transactions euh, de financement ou des transactions bancaires tant et aussi longtemps que vous serez pas résident du Costa Rica. Ok Donc euh, on a Patrice Gueguar qui nous dit hola hola saludos amigos como ça et puis Hélène Dubé bon qui parle ben, il y a plusieurs personnes qui ont posé donc la question de la location les amis c'est pas possible donc là on se trouve un avocat de confiance et puis là on veut savoir comment est-ce qu'on va aller acheter notre auto Évidemment, vous avez le choix d'une auto neuve, vous avez le choix d'une auto usagée, évidemment. Et puis, bon, dans les euh, les autos neuves, évidemment, euh, la la plus grosse chaîne d'auto neuve, le plus gros groupe, ok, au Costa Rica, je dirais que c'est un groupe qui s'appelle, c'est la, la la chaîne de concessionnaires de Grupo. Ok? Vous allez pouvoir trouver ça facilement, ok, sur Internet. Donc, eux, c'est des voitures neuves, c'est des voitures, euh, tu sais, là, vous, êtes, c comme vous rentrez dans un, un gros concessionnaire, euh, comme vous verriez, euh, bon, un peu partout à travers le Canada, euh, euh, à Montréal, tout ça, vous avez tout. Puis, oh on a au Costa Rica, maintenant, à peu près... Toutes les marques d'auto imaginables euh, qu'on pourrait trouver euh, au Canada ou même, ou même ailleurs dans le monde. On a des marques qui n'existent pas au Canada et au Québec. Euh, donc, il euh, y, y a du choix. Il y a beaucoup, beaucoup de choix. Y a de en fait, il y a de tout, OK? Euh, donc, il y a de tout, mais est-ce qu'on recommande tout? On va toucher ce sujet-là tantôt parce que, en fait, euh, on a les autos neuves, puis effectivement, on a des autos usagées. Donc, dans les autos usagées, moi… Ce que je recommande aux gens, c'est d'essayer de se concentrer vers les marques les plus populaires. Donc, dans les marques les plus populaires au Costa Rica, ok, on a la Toyota, on a la marque Nissan, puis on a la marque Hyundai. Ça, c'est les trois plus grosses marques d'auto au Costa Rica. Donc, moi, je recommande toujours aux gens. En fait, nous, depuis qu'on est au Costa Rica, Costa Rica, on n'a eu que, que du Toyota et que du Hyundai. Un des avantages, une des raisons pour ça, c'est parce que c'est des marques très populaires. Donc il y a beaucoup d'inventaires. Il y a beaucoup d'inventaires, donc ça, ça veut dire évidemment qu'il y a beaucoup de pièces. Parce que si vous en allez vers une marque, exemple, euh, personne n'a posé la question, mais est-ce qu'il y, est qu y a des Ford au Costa Rica? Oui, il y a des Ford au Costa Rica, mais. Ça, ça veut dire que vous pourriez avoir des problèmes à un moment donné à avoir certaines pièces. OK? Puis, ça, avoir des problèmes, avoir certaines pièces, on ne parle pas de trois, quatre, cinq, six jours, une semaine. OK? On peut parler de, de, de plusieurs semaines à des mois. Donc, euh, donc, faites une recherche, regardez effectivement vos marques favorites. Si ça tombe dans les marques les plus populaires au Costa Rica, il y en a d'autres aussi. Moi, je vous donne les trois populaires. Donc, euh, comme on dit en bon français, sticker. À ça ok euh, donc toyota nissan hyundai l'autre avantage avec ça surtout si vous en allez dans une auto usagée un des avantages au costa rica les amis c'est que les autos usagées ici euh, en fait sont très durables si on si on reçu une bonne maintenance vous allez pouvoir avoir une auto longtemps vous avoir une auto que a, qui a 15 ans que 20 ans puis elle va être encore en bon état si elle a reçu la maintenance qu'elle devait évidemment avoir donc, l'autre chose aussi par rapport aux autos usagées, c'est que vous allez avoir très peu de dépréciation. Donc, vous pouvez acheter une auto-usagée, puis si vous la maintenez bien, en bon état, tout ça, en bonne condition, vous pourrez facilement la revendre deux, trois ans plus tard à presque le même prix, finalement. T'sais. Donc, euh, ça, c'est pour les autos les, les autos les auto usagers Les auto neuves, évidemment. Dans les premières années, vont déprécier beaucoup. C'est normal, c'est le même phénomène qu'un peu partout dans le monde. Les autos neuves, en passant au Costa Rica, vous pouvez vous attendre à payer à peu près de 25 à 30 plus cher que ce que vous payeriez au Québec ou au Canada. Donc là, OK, on s'enligne vers une marque d'auto. Où on peut acheter les autos au Costa Rica? En fait, la capitale euh, de la vente de l'auto au Costa Rica, si je peux définir ça comme ça. En fait, il y a une ville au Costa Rica qui s'appelle Grecia. En fait, c'est une ville en fait qui est aussi très populaire pour les expatriés. Et puis, à Grecia, en fait, c'est la capitale des autos. Il euh, y a des autos neuves, mais il y a beaucoup d'autos usagées. Et je ne sais pas, il y a combien de... De, de, de concessionnaires. Euh, c'est une ville qui est probablement à peu près la grosseur de Rouen noranda mais euh, moins la neige, euh, moins les esquimaux, mais qui, en fait, c'est tous des concessionnaires auto. Donc, c'est l'industrie probablement principale de cette communauté-là. C'est la vente de l'auto. Les gens viennent de partout à travers le Costa Rica pour visiter ces différents concessionnaires-là pour acheter des autos. Ça, c'est une des façons de le faire. Maintenant, moi, je vous dirais que les prix chez les concessionnaires de Grecia sont peut-être un peu plus euh, élevés que ce que vous allez trouver peut-être dans d'autres forums. Donc mis à part ça, je vois qu'il y a une question de, qui vient de rentrer. Euh puis, il y a une question ici de, 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 de Patrice Grégoire, justement. Euh, Est-il vrai qu'il faut une inspection mécanique générale à chaque année? Bon, mon cher Patrice, je vais y arriver tantôt. Je vais répondre à cette question-là spécialement juste juste pour toi. OK? Donc, euh, ça va être couvert tantôt. Donc, euh, là, ça, c'est une des façons. Il faut aller sur le concessionnaire, euh, bon, euh, à Grecia. Et il y a des concessionnaires dans d'autres villes au Costa Rica. Là, là je parle de, de Grecia parce que c'est un peu… Euh, c'est la capitale, c'est l'icône de l'auto euh, au Costa Rica. Mais il y a des concessionnaires auto usagés dans presque toutes les villes du Costa Rica. OK? Donc, c'est juste que là-bas, vous avez une abondance, une abondance de, de choix. Bon, une autre façon, en fait, c'est la version, euh, l'option en ligne. OK? Et puis, je dois vous dire que c'est. Euh, c'est mon option favorite, en fait, parce que je vais vous recommander, c'est qu'il y a un site web qui s'appelle, OK, CRAuto.com. C'est l'engin d'achat d'auto le plus populaire, le mieux organisé, facile à utiliser euh, du euh, Costa Rica. Euh, je pense que je vous ai préparé une petite bannière ici. OK, ici, on peut voir, euh, OK. C'est à ça que ressemble la première page. Dans ça, évidemment, il y a une section d'auto neuve, il y a une section d'auto usagée. Euh, et puis, mais il y a un gros, gros, gros inventaire d'auto usagers Bon, évidemment, c'est en espagnol. On est au Costa Rica, ok. Mais dans ça, vous pouvez, il y a un, il y a un engin de recherche qui est très facile. Donc vous rentrez le style d'auto vous voulez, la, le style de marque que vous voulez, le, quelle année vous voulez, le budget que vous voulez, le nombre de portes que vous voulez. Puis en fait, euh, Costa Rica Auto va vous faire une recherche et vous donner euh, ses sélections. Et puis, en fait, nous, au Costa Rica, depuis qu'on est ici maintenant, on a acheté plusieurs véhicules euh, pour, pour les, les services de notre entreprise. Puis je dois vous dire que tous les véhicules qu'on a achetés et presque tous les véhicules qu'on a vendus dans notre expérience au Costa Rica, c'est fait par l'entremise de ce site-là. OK? Donc, ça, c'est une option. Costa Rica Auto, puis le lien, il va être effectivement dans... Euh, dans la description YouTube, <laughs> vous êtes pas surpris de ça. Ok, et hey, oubliez pas là, euh, de mettre votre dièse euh, pépito si vous l'avez pas fait parce que vous pourrez pas gagner votre certificat cadeau. Ok, un autre site euh, tout aussi populaire mais euh, qui est plus varié, qui est pas spécialisé juste dans les autos mais où il y en a beaucoup, c'est un site, une page internet qui s'appelle encuentra 4com Ok, encuentra. Uh, 24.com. Donc, ça, je vous le mets. Uh, J'ai pas de photo de, 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 de l'interface de cette, de, de cette page web-là. Mais en fait, ça, c'est uh, un genre de Kijiji, Costa Rica. Il y a beaucoup d'autos. Uh, il y a tout, toutes sortes, à peu près n'importe quoi que vous voudriez acheter en ligne. Vous allez pouvoir le trouver uh, via ce site-là également. Mais ils ont effectivement beaucoup, beaucoup d'autos. OK? Uh, là, euh, je fais attention aux questions en même temps. Bon, on a René Gaudreau qui a fait son petit Pépito, puis on a Jacques Chalifou. Salut Jacques, merci de regarder l'émission. Merci d'être là en passant, les amis. Bientôt, on va célébrer euh, le premier anniversaire de Pépito Live Costa Rica, très, très bientôt. Euh, bon, fait que là, je m'en vais dans, je descends dans, dans mes bannières, et puis là, OK. Là, bon, là, vous avez vous êtes allé chez Costa Rica Auto ou chez Grecia, vous avez trouvé un auto, OK? Évidemment, les amis, OK, euh, bon, comme vous feriez au Canada ou n'importe où ailleurs, une inspection générale, OK, elle va être très, très, très importante. Euh, donc, moi, je vous recommande, de, encore là, d'essayer de trouver euh, un centre auto, encore une fois, de réputation. Et puis, euh, donc, vous pouvez demander la permission au vendeur, évidemment, de, de, euh, vous, euh, de vous laisser apporter l'auto pour faire une vérification générale. Et s'il refuse, bien, là, <laughs> posez-vous des questions. OK? Donc, très important. Prochaine étape, évidemment, on procède à l'inspection générale. Certaines choses à vérifier. OK? Là, je vais vous montrer la liste de différentes, de différentes affaires. Euh, dans, à travers tout ce processus-là, OK? Donc, n'oubliez pas, vous allez avoir votre, votre avocat, puis votre avocat va vérifier certaines choses, c'est son travail aussi, mais je vais mettre quand même des points pour que, que, que vous soyez euh, au courant de, de tout ça, OK? Donc, différentes choses à vérifier, OK? Il y a une chose qui est très importante, euh, en fait, pour les autos, une chose qui existe au Costa Rica, on appelle ça, en fait, le « marchamo », OK? Euh, avec une intonation espagnole marchamo, ok. Donc ça, le marchamo, en fait, euh, c'est annuel, ok. C'est euh, en fait, c'est un, une taxe du gouvernement, mais ça implique également aussi euh, une assurance responsabilité obligatoire. Donc ça, c'est très important, ok. Puis là, ce que je vais faire, je vais vous montrer une petite photo, ok. Ici, ça c'est l'intérieur du pare-brise d'une auto. Ok, puis ça, si vous êtes déjà venu au Costa Rica ou quand vous allez venir au Costa Rica, vous allez voir que dans toutes les fenêtres d'auto, il y a des petites étiquettes comme ça. Ok, Et ça c'est pas, pas des décorations. Ok, en fait, ça c'est c'est là où on affixe ok euh, différents éléments éléments légaux ok liés ok à, à notre auto. Donc, ici, vous pouvez voir que la personne okay, est en train de. Là, vous allez voir, ici, vous allez voir, il y a le marchamo, en fait, qui est, qui est votre taxe annuelle, les frais annuels, qui, est, qui implique une assurance de base. Mais je vais en parler un petit peu plus des assurances un peu tantôt. Donc, puis là, vous voyez également aussi ce qu'on appelle Ré -TV, là qui est, la, qui est la révision mécanique euh, auquel notre ami euh, Patrice a fait euh, référence tantôt. Puis là, je vais passer à travers ce que les, les Costa Riciens en fait, appellent ça des stickers. OK? <laughs> au sticker, OK? Donc, euh, ça, bah, c'est affixé dans le pare-brise de votre auto, OK? Puis, vous allez voir qu'à l'occasion, quand vous, vous promenez au Costa Rica, puis que vous allez voir qu'il va y avoir des, des petits barrages auto, euh, comme vous voyez, comme ici, OK? Puis, vous allez voir, il y a des policiers qui regardent, et regardent passer les autos, et vous demandent de réduire, des fois, ils vont faire des vérifications, tout ça. En fait, la première chose, eux autres, le premier indicatif visuel, ils regardent vos stickers dans votre fenêtre, OK? Puis, par la couleur de votre étiquette, de votre sticker, ils vont savoir si vous êtes à jour ou non. Si vous n'êtes pas à jour, ben ils vont vous faire demander de, 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 de vous poser sur le côté, comme ça, comme on peut voir ici, dans le cas actuel. Et puis, le policier ici va se faire un plaisir de vous donner ce qu'on appelle au Costa Rica, una multa. Una multa, en fait, c'est une amende. Mais euh, ce ne sera pas assez pour eux, OK? Parce qu'ils vont également se faire un plaisir de vous retirer vos plaques, OK? Donc, euh, vous pouvez faire retirer vos plaques. Bon, il y a des gens qui vont dire, ah, oh, c'est pas grave, ça ne coûte pas cher, puis c'est pas compliqué, puis c'est ça. Mais moi, je vais vous dire que les amis, c'est à ne pas sous-estimer, OK? Donc, euh, enfreindre la loi euh, du transport au Costa Rica, c'est sérieux. Et si vous faites enlever vos plaques ça peut vous coûter entre 3 et 500 dollars et ça peut vous prendre de 2 à 3 semaines à un mois et peut-être même plus à pouvoir récupérer les plaques parce qu'il faut les retrouver les plaques après OK donc euh, donc ça c'est par rapport au sticker ces éléments là Michel au coin Pépito, excellent sujet. Vous faites compétition avec les Habs <laughs> Leafs? Ben oui, je sais. Puis là, je vois que mon ami Patrice, il est là. Fait que, pour moi, je, sais pas, je pense qu'il regarde Pépito Live parce que, je sais pas, peut-être qu'il s'est vaincu avec le Canadien de Montréal. Je sais pas, OK? Euh, Hélène Zubé. Wow! Félicitations. Très intéressant pour les gens qui veulent aller visiter votre pays. Bravo, bravo, bravo. Mais ben merci de regarder, Hélène. Donc là, je vais retourner dans mes petites euh, bannières. Donc ça, le Marche à Mots, les amis, ça, c'est annuel. Et ça, euh, ça vient à expiration à la fin de l'année. Donc ça, il faut que ça soit à jour. Donc c'est important quand vous allez magasiner pour une auto de faire certain de voir que le marchamo est, comme on dit au Costa Rica, Aldia. Aldia, OK, euh, là, vous pouvez poser la question, OK. Le marchamo es al okay? est Aldia. OK, est-ce qu'il est en règle? Est-ce qu'il est à jour? OK, c'est important euh, parce que s'il ne l'est pas, donc... Parfois, ils peuvent être euh, échus. Donc s'il est échus, ça veut dire que vous dans votre processus vous voulez remettre l'auto sur la route, bien évidemment, il faut que vous alliez payer le marche à -mo. ça peut vous coûter dépendant du modèle d'auto, ça peut vous coûter quelques 100 dollars, 200, 300, 400, cinq 500 dollars, je sais pas. Ça dépend du modèle d'auto de l'année et tout ça, OK Donc très important les amis, le marche -à OK Après ça, Bon, ici c'est la question euh, auquel a fait référence tantôt Patrice Grégoire euh, qui parlait de inspection annuelle. Patrice posait la question est-ce qu'avoir une inspection annuelle, c'est vrai que c'est obligatoire au Costa Rica Oui, les amis. Ok. La seule chose que c'est les chemins au Costa Rica qui ont pas d'inspection de, de, annuelle, c'est les chevaux et les vaches. Ok. À part de ça, ok. Les autos, les motos. Les caritos de golf, les golf carts comme on dit en français, euh, tout ce qui est motorisé, les camions, euh, les boussettes touristiques, les autobus, les camions lourds, tout, tout, tout ce qui a un engin au Costa Rica, ok, doit avoir une, euh, okay, un RTV. Donc un RTV en fait c'est une inspection annuelle, ok, RTV. Ok, je le remets comme ça. Ça c'est très important dans votre processus d'achat de l'auto. Ok, RTV. Ok, Aldia. Il est à jour. Ok, non. Oh, pourquoi non? Ok. Donc, donc c'est très important. Maintenant, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un petit vidéo pour vous pour vous montrer un peu visuellement à quoi. Ok, qu'est-ce que ça implique en fait faire euh, un RETV. Donc ça aussi. Ok, les amis, dépendant de, de l'âge de votre véhicule, de votre moto, de votre auto, tout ça, il y a différentes fréquences. Donc, quand vous avez une auto flambant neuve, les, euh, les TV sont moins souvent, mais euh, si vous avez une auto usagée, bon, le plus vieilli, puis tout ça, euh, les, les véhicules commerciaux, bon, c'est autre chose, mais en fait, c'est au minimum une fois par année. Donc, euh, regardons un peu ce que ça implique effectivement euh, une révision rétésv. Alors voilà, c'est ça. Donc, c'est pour répondre à la question de notre ami Patrice Grégoire. Donc, est-ce qu'il faut une inspection mécanique générale à chaque année sur tous les véhicules motorisés Alors voilà, la réponse elle est bien oui. Et là, bon, on vous a montré un peu un élément visuel pour montrer un peu comment, comment ça se passe. Donc, pour ça, pour aller faire un RTV, évidemment, on fait pas juste pointer là. Donc, il faut euh, il faut avoir un rendez-vous. Et puis, euh, je vais avoir dans le, le descriptif Pipito Live Costa Rica, évidemment sur YouTube, euh, le euh, lien internet pour aller évidemment faire euh, un rendez-vous euh, RITV. Donc je le mets ici à l'écran, www.ritv.co.cr obtenir cita Obtenir un rendez-vous. OK? Donc, c'est ce que vous voyez. Donc, là, les amis, si vous êtes en processus pour acheter votre auto, puis le RITV, il n'est pas euh, à l'IA, il n'est pas à jour. Donc, là, posez-vous des questions. OK? Maintenant. Dans euh, les rapports de RITV, dans les ra rapports d'inspection mécanique, ok, il va, il, va, il va y avoir un rapport, il va y avoir un petit papier. Puis en fait, la personne qui veut vous vendre l'auto, que ce soit un concessionnaire ou si c'est un auto usagé euh, ou un particulier, ok, vous avez le droit de voir ce papier-là. Demandez de voir ce papier-là, ok, parce que s'il y a des choses qui sont pas conformes, okay, aux lois du ministère du Transport, du Costa Rica ou aux lois de l'environnement, il va y avoir des annotations. OK? Donc, ça, c'est important. Donc, vous pouvez demander l'ERITV pour les dernières années. Donc, ça va vous donner euh, un, un, une histoire mécanique euh, très importante par rapport au véhicule que vous pensez acheter. OK? Donc, ça va vous donner des bonnes pistes. OK? Puis si le monsieur il dit, ah, je ne sais pas, ah bien là, posez-vous des questions. OK? Donc, mais... Même si vous avez le RITV, les papiers du RITV, faites votre inspection mécanique pareille, OK? Indépendante, à part et à part de celle du RITV, OK? Donc là, je vérifie s'il y a des petites questions. Euh, bon, les mots pour le dire, prétexte à la poésie, hola, pepito, diès, bravo. Donc, euh, bon, là, on continue. Fait que là, on vous a donné quand même des bonnes informations par rapport à ça. Là, vous avez ça. L'autre chose, les amis, OK? Là, votre avocat, ok, va être chargé, ok, de vérifier s'il y a des euh, gravamenes, ok, au Costa Rica, le V à l'occasion est prononcé comme un B gravamenes, au okay, gravamenes, ok, des charges en suspens, donc, ok, donc ça, c'est comme quand vous achetez euh, un auto euh, au Canada, au Québec, euh, puis s'il y a encore une dette sur l'auto elle va être enregistrée. Okay? Donc, euh, ou s'il y, euh, euh, y a des poursuites, OK, euh, contre l'individu ou le véhicule, ça va être enregistré. Bon, ça, ça va être enregistré à ce qu'on appelle au registro national, le registre national du Costa Rica. Ça, c'est très important. OK? Donc, parfois, vous allez acheter un auto usager, il va rester une dette. OK? Très important, ok. Euh, on a vécu cette expérience-là. Il restait une dette de plusieurs mille dollars sur un véhicule. Avec notre avocat, ok, on a fait un rendez-vous, ok, euh, avec l'institution bancaire, ok, qui tenait la dette de ce véhicule-là. On est allé euh, en présence du vendeur du véhicule, ok, à euh, régler cette dette-là, ok. Donc OK? Nous, on a, on a été impliqués dans le processus. Ça, c'est très important que votre avocat se charge de ça. Et je vais faire un petit commentaire encore sur ce, sur ce point-là un peu plus tard quand on sera un peu plus avancé euh, dans, dans l'émission. Donc, ces choses-là, très, très, très importantes, les, les amis. Le marche à mot, le Ré TV, les charges en suspens, les charges légales contre le véhicule, très, très, très important. OK? Et puis, par la suite. Ok évidemment euh, quelqu'un posait une question par rapport à l'assurance l'assurance nationale du Costa Rica en fait c'est un institut qu'on appelle le INS ok c'est l'assurance la plus populaire euh, ok w -W euh, OK, slash air.com. Encore là, le lien dans la page Pepito Live Costa Rica, vous allez pouvoir là-bas. OK? Et puis, en fait, il euh, y a des bureaux dans à peu près toutes euh, les villes principales du Costa Rica. C'est là où vous allez pouvoir aller et puis euh, euh, acheter votre, votre assurance automobile. L'assurance automobile au Costa Rica, bon, généralement, c'est pour six mois. OK? Donc, ne soyez pas étonnés, ça fait partie un peu des mœurs, ça fait partie, partie un peu de la culture du Costa Rica. Vous allez faire le saut un peu. En tout cas, euh, donc ça c'est possible qu'on euh, vous, vous offre une assurance seulement que pour euh, six mois. Donc, euh, bon, José qui, euh, qui dit super intéressant. Merci beaucoup, José, pour euh, ton commentaire. Merci de regarder l'émission. Et puis Roger Giroux, hola tout le monde. Salut Roger. Merci de regarder Pepito Live Costa Rica. Danny Walsh, « pour transformer notre permis de conduire pour celui du Costa Rica. Euh, Est-ce qu'il euh, 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 est qu y a un examen à faire où il est changé de façon générale? Bon. Bonne question, Danny. Merci de la poser. Euh, c'est un peu... Bon, c'est pas off-topic. quand On parle d'acheter une auto, donc les permis de conduire. On va, on va aborder ce sujet-là. Donc, c'est pas bien ben compliqué, Danny. Euh, pour avoir un permis de conduire du Costa Rica, il faut être résident du Costa Rica. Il faut que vous ayez à menos, au moins, OK, votre résidence temporaire. Donc, une fois que vous aurez votre résidence temporaire, vous pourrez euh, demander... De homologuer votre permis de conduire du Canada, du Québec ou de n'importe où ailleurs dans le monde à un permis costaricien. Ce n'est pas dispendieux, ça ne coûte pas cher. Je vais, de, je vais deviner comme ça de mémoire environ euh, une dizaine de dollars tout au plus. Là, vous aurez euh, besoin de faire. Euh, un examen médical, oui, effectivement, euh, auprès d'un médecin certifié, reconnu par l'Institut du Transport du Costa Rica. Et vous aurez besoin d'avoir un rendez-vous euh, pour aller faire l'homologation de votre permis de conduire. Donc, ça se fait je dirais, assez, quand même, facilement, mais très, très, très important de le faire, mais euh, il faut avoir sa résidence, résidence temporaire ou résidence euh, permanente. Donc, très bonne question par rapport à ça. Donc, je retourne à mes petites bannières pour faire certain de, 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 de rien oublier. Le prochain point que j'ai mis ici, la négociation d'une entente. Bon, là, vous avez vérifié le véhicule, tout ça, tout et Aldia, ça c'est le mot du jour, les amis. Aldia, hein, c'est à jour. Donc, le RTV est à jour, tout ça est à jour. Là, vous voulez négocier. OK? Au Canada, au Québec, on a une culture. Puis ça, c'est quelque chose que moi, il m'a un peu étonné quand on est arrivé au Costa Rica, parce que le premier véhicule que, disons, qu'on a acheté, disons que le monsieur voulait avoir euh, 15 000 Moi, nous autres, on a décidé, on va y en offrir euh, 11, puis on va l'avoir pour 13 000 C'est un peu comme ça, dans, ça se fait beaucoup au Canada, au Québec. Au Costa Rica, les mœurs par rapport à la négociation est un petit peu différente. OK? un petit peu même, je dirais, pas mal. Les costariciens, et la culture de négocier, ce n'est pas vraiment quelque chose qui existe pour eux. Donc, si le monsieur en question, il demande 15 000 pour son véhicule, 10 000 pour son véhicule, les chances sont qu'il veut avoir 15 000 ou 10 000 pour son véhicule. Les costariciens de tempérament, c'est des personnes sensibles, OK? Et, et une chose que j'ai réalisée, en tentant de négocier, c'est que c'est facile de blesser la personne. Donc, il euh, n'y a pas ce jeu-là, il n'existe pas vraiment bien ben ici. Okay? Donc, euh, donc, si vous s'il si demande 15 000, vous y en offrez 11. En fait, est sans le réaliser, on vient de blesser cette personne-là, peut-être même de l'insulter. Dans le fond, c'est comme ils dire que, que son véhicule n'est pas bon, puis euh, il n'a pas sa valeur, puis, donc eux, ils peuvent être facilement offusqués pour ça. Donc, attention à ça. Bon, y a-t-il une marge pour négocier? Oui, il peut y avoir une marge pour négocier, mais la marge de négociation sur 10 000, 15 000 elle peut être à peine, à mon point de vue et à mon expérience, à moi, peut-être d'autres personnes vont vous dire différemment, quelques centaines de dollars, rien de plus. Donc, négocier. Enlevez ça de votre tête. Ok. Si vous faites affaire directement avec euh, okay, un Costa Ricien. Ok. Bon, euh, très, 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 très important. Ok. Euh, donc, tantôt j'ai mentionné pour le, le ins pour euh, en fait pour l'assurance. Euh, ça, c'est l'assurance euh, c'est l'assurance publique du Costa Rica. Je vais revenir un peu, un peu là-dessus, et je veux vous montrer un peu ce que la, 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 la page, je pense que je l'ai ici. La page Internet, ça ressemble à ça. Et puis, vous allez voir, pour faire certain, vous êtes dans le bon site, OK? Grupo INS. Puis, vous pouvez voir un peu dans le coin à gauche de l'écran le logo, OK? Avec, avec un, beau na un, un bel arbre vert, puis, en fait, qui représente le Guanacaste, qui est l'arbre national du Costa Rica. Donc, euh, voici le, le, le INS. Mais mis à part le INS, il y a une autre institution qui est euh, privée, celle-ci, qui fait des assurances, qui est une bonne compétition au INS, en fait, avec laquelle nous, en fait, je vais vous le dire, on fait des affaires. Euh, c'est euh, une compagnie d'assurance qui s'appelle Calitas. En fait, encore là, c'est un réseau, une cadena, OK, des seguros. c'est une chaîne d'assurance au Costa Rica. Calitas.co.cr. On ah, vous donne un cours d'espagnol en même temps. OK? Non, ben, je n'ai pas la prétention d'être excellent en espagnol, mais en tout cas, je m'essaye bien. Donc, www.calitas.co.cr. Okay, uh, Donc, uh, c'est une bonne alternative et ça vaut la peine de vérifier les prix des deux. OK? Donc, uh, juste pour conclure sur le, sur le point uh, de, de, de l'assurance. Là, une autre chose, OK, les amis, un petit conseil. Vérifiez toujours, OK, le numéro d'identification du véhicule, OK, qui correspond qui, s'assurer qu'il correspond à celui du châssis, OK, euh, de la voiture. Okay? Petit conseil pratico-pratique dans la liste des choses euh, à vérifier. Euh, donc, quelque chose, euh, puis j'ai d'autres bons conseils aussi, euh, évidemment. Euh, à, à, à vous donner. Bon, ici, euh, bon l'assurance automobile pour un snowbird sans adresse au Costa Rica, ni permis de conduire costaricien, est-elle fa euh, facilement accessible? Est-elle plus chère? Non, les prix, euh, en fait, l'assurance automobile pour un snowbird sans adresse au Costa Rica, ni permis de conduire costaricien, est-elle facilement accessible? Oui, c'est facilement accessible. Est-elle plus chère? Non, je pense pas que dans cette industrie-là, parce que tout est... C'est quand même bien réglementé. Euh, Ce n'est pas parce que vous êtes un étranger, un touriste euh, ou un gringo, comme diront certains, que vous allez, euh, que vous allez payer plus cher. Euh, donc, euh, ici, bon, Hélène qui dit, bon, pas de gens à négocier, ok, <laughs> avec un petit visage. Euh, bon, euh, Daniel Boudarté, « Trading of Bitcoin, bon, ben ça, c'est quelqu'un, en fait, que là, je vais retirer complètement du fil. Euh, parce qu'on a, c'est une des beautés de ça, quand les gens viennent nous faire des arnaques comme ça euh, dans Pépito Live et dans nos émissions, on peut carrément les bloquer, les enlever. Euh, et puis, mais celui-ci, euh, bon, c'est la même chose, OK? Donc, on va y faire la même affaire. Donc, il euh, reviendra pas. C'est réglé. On s'excuse de ça. C'est des choses qui arrivent. Au moins, en tout cas, au moins, euh, bon, ça aurait pu des sites un peu plus gênants que ça, mais ça ne l'est pas. OK. Donc, euh, Là, ça, c'est certaines choses à vérifier. Là, un autre petit commentaire, OK? Bon, là, j'aime pas bien bien ça, dire ce genre d'affaires-là, mais il faut le dire pareil, parce qu'il faut être transparent. Puis, euh, tu sais, moi, je me suis engagé à, à, aux gens qui regardent l'émission à, bon, à dire les vraies affaires, comme on dit. Méfiez-vous les gens des arnaques, OK? Ben, le Costa Rica, c'est un beau pays, c'est des bonnes personnes, tout ça. Mais les arnaqueurs, là. Il y en a partout dans le monde, OK? Fait il y en a dans le monde de l'auto, OK? Puis, il y a eu, en fait, il y a quelques années, puis maintenant, je n'ai pas entendu parler de ça dernièrement, OK? Mais, en fait, il y a des gens qui, à un moment donné, ont rencontré euh, des supposés euh, vendeurs d'auto usagées euh, pour leur donner des dépôts. Puis, en fait, il y a eu des incidents. Donc, OK? Euh, donc, soyez vigilants, OK? Méfiez-vous des arnaques. Euh, rencontrer jamais des vendeurs potentiels dans des zones isolées. Okay? Donc, si vous avez un avocat, vous voulez donner euh, un dépôt pour un auto. Faites-le en présence de votre avocat, faites-le en présence de professionnels. Rentrez, rencontrez pas quelqu'un dans un soda, dans un petit restaurant costaricien, dans un village perdu quelque part pour aller faire une transaction, s'il vous plaît, les amis. Aussi tentant, aussi bonne pour être la deal, comme on dit, OK? Faites pas ça, OK? Euh, encore là, OK? Remettez pas de l'argent à quelqu'un tant et aussi longtemps que vous aurez pas un accord que vous allez penser qui est légitime. OK, même si vous faites croire que son meilleur ami puis son cousin ou quelqu'un OK, veut l'avoir à tout prix puis que là il vous donne la chance de l'acheter, OK, laissez-vous pas tenter par ce genre euh, de situation là, okay? Là encore là, l'autre chose qui devrait être vérifiée, OK, c'est l'enregistrement du véhicule au registre national. Au Costa Rica, le registre national c'est c'est votre meilleur ami, OK? Vous ne savez pas, mais c'est votre meilleur ami, OK? C'est un site web, OK? C'est le registre national, que ce soit pour l'achat de propriété, l'achat de véhicule, tout ce qui a des transactions, euh, tu officielles, est enregistré au registre national. Euh, ici, je vous montre euh, un peu une idée de scolaire, la page du registre national. Donc là, euh, bon, vous pouvez voir l'immobilier, vous pouvez voir différen différentes choses dans ça. Oui, c'est en espagnol, OK Évidemment, j'entends des gens dire, "Hey, c'est en espagnol Bah ben, oui, on est à, on est au Costa Rica, amigos, OK Donc là, euh, c'est le Héristro national, puis en fait, ben, si euh, vous avez de la difficulté en espagnol, il ben, faut commencer à prendre des des, euh, des des cours en ligne euh, ou étudier, apprenez un mot par jour en tout cas, mais si vous voulez vous emmener vivre au Costa Rica les amis, je vous recommande OK, d'apprendre l'espagnol, OK Donc là, faites-vous amis euh, demandez à des amis de confiance de vous aider si c'est euh, le cas donc le site du registre national c'est très 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 important là je regarde à travers mes photos pour voir si j'ai oublié de quoi parce que des fois j'étais un peu distrait puis je vois un peu du, du coq à l'âne je vous ai montré les photos je vous ai montré les stickers je ah, haha, je vous en montré un autre sticker ok il y a des gens qui n'aiment pas ça quand je parle de ça parce que nous autres, on a une entreprise touristique Costaud, là je fais ma plug Costaud, c'est sûr, je fais ma plug Costaud. Puis on est une entreprise touristique légale, certifiée, enregistrée, certifiée par le ministère du Tourisme. OK, Les amis, si vous venez au Costa Rica, vous achetez du tourisme, vous allez en excursion, vous demandez des transferts d'aéroport. Faites affaire, s'il vous plaît, avec les gens qui sont légaux, enregistrés et certifiés, qui sont des gens qui sont des bons citoyens dans le pays, parce qu'il y a un paquet de personnes qui travaillent au noir. Puis, en tout cas, ça a différentes implications pour vous et pour tout le monde. En fait, Puis, ça enlève des emplois aux gens qui font bien les choses et puis ça enlève des emplois aux costariciens. Donc, en parlant de sticker, bon, OK, ça, c'est le sticker, ce qu'on appelle du ministère du Transport public, OK, pour Tourismo. En fait, ça, c'en est un qui, en fait, qui est sur un de mes véhicules. OK? Donc, ça, ça veut dire que c'est, en fait, c'est un véhicule enregistré, certifié par le ministère du Tourisme, par le gouvernement, par l'Institut du Tourisme du Costa Rica pour offrir des services publics de touristes aux gens, OK? Donc, si euh, votre, votre, votre meilleur ami, votre meilleur voisin, votre meilleur troisième voisin veut vous donner un transport à l'aéroport, il, il, veut, il veut vous vendre un tour, euh, il a, oui, même s'il y, y a une belle bussetta qui est bleue, qui est blanche, qui est jaune, n'importe quoi, les amis, si ce n'est pas écrit «Tourismo» sur le côté, imprimé sur le côté, puis s'il n'y a pas ce sticker-là, OK, vous faites, avec, faites affaire avec... Malheureusement, avec quelqu'un qui vous donne des services illégalement. Ok. Donc, euh, bon, seulement espagnol, anglais aussi. Hélène Dubé. Euh, non, le bon l'anglais dans ces sites-là. À l'occasion, dans certains sites du gouvernement, Hélène mais euh, très peu. Comptez pas vraiment sur ça, OK? Je m'excuse d'avoir à vous dire ça, mais euh, c'est principalement en espagnol. Les transactions, c'est principalement en espagnol également. OK? Là, il est 5h59. Je vais accélérer un peu le, cas parce que, le, le, le pas parce que j'ai d'autres choses intéressantes quand même à vous dire par rapport à toute cette question-là. OK? Donc là, on a tout ça. On a l'inspection, on a tout ça. Je vous ai donné des bons points, des choses à vérifier, la négociation, les assurances, tout ça. Euh... Là, une des choses, c'est que, avant, je vais vous montrer tantôt un peu ce que ça implique, les, euh, les frais de ça. Puis là, je vais juste ajouter ici un peu euh, ma petite image. -là. là, vous allez me voir disparaître. Fait que là, ça c'est la magie de Pépito, OK? Là, pour revenir pour éclaircir mon image. Donc, le zoom est fait. Là, euh, non, en anglais, ben, à l'occasion, mais c'est très rare, mais dans ces sites-là, vous ne trouverez pas, honnêtement, bien ben, grand-chose euh, euh, en, en anglais. On a Simone Morin qui dit Quand je serai au Costa Rica, je vais encourager Costour. grâce Simone, on agradez qu'on beaucoup on l'apprécie beaucoup. Donc euh, là... Dans la transaction, en fait, vous allez, avoir votre, euh, votre, vous allez avoir votre avocat. Au Costa Rica, il y a une pratique que certains trouvent des fois un peu particulière, mais au Costa Rica, parce que ça vous prend un avocat, votre avocat peut vous représenter vous, l'autre personne peut aussi avoir un avocat, mais bref, les frais légaux reliés à la transaction et l'achat d'un véhicule se fait payer par l'acheteur. Donc, c'est la coutume ici. Ça peut se négocier peut-être un petit peu des fois. ben là, tu, sais, tu pourrais peut-être toi faire tes frais, mais ça ne passera pas. OK? Donc, vous pouvez essayer, mais ça ne passera pas. C'est l'acheteur qui paye la totalité des frais légaux. Là, en terminant, euh, je vais revenir parce qu'après ça, j'ai des petits conseils pratiques routiers à vous partager. Euh, je ne sais pas, les amis, avez-vous d'autres questions par rapport à l'achat d'auto? Il y a -il quelque chose que j'ai oublié? Je ne sais pas. Euh, euh, en tout cas, euh, je ne pense pas. Mais là, euh, je reviens sur le petit tableau tantôt. OK? Disons que pour OK, o menos, OK, en Espagnol, plus ou moins. OK, 15 000 OK? Donc, en fait, ça fonctionne. Comment ça peut coûter? Sur une transaction de 15 000 OK? Je l'ai dit tantôt, mais je le, je le répète en terminant. Vous avez les impuestos y traspasos, ça c'est les taxes et les transferts. Donc, c'est 2,5 de la transaction. OK? Ça, c'est... Non, excusez. Ah, là, je viens de vous compter une menterie, OK? Euh, je suis un patate encore. Là, c'est... En fait, c'est 2,5 de la, de la valeur au livre dans le ministère de la Hacienda. La valeur que tantôt, le, le, la page Web, je vous ai montrée. La valeur qui est au livre, vous allez payer 2,5 de cette valeur-là. Si le véhicule, il vaut 15 000 puis euh, vous vous, faites, vous êtes fait faire un reçu de votre meilleur ami de 2 000 vous savez quoi? Vous allez payer pareil, OK? 2,5 de 15 000 la valeur olive, OK? Donc, le gouvernement du Costa Rica a décidé qu'il ne se ferait pas avoir avec cette question-là. Après ça, ben là, vous avez 1 qui est des timbres. Les thèmes, ça, c'est un saut. C'est un processus légal très, très, très important des, les, dans les mœurs du Costa Rica. Quand vous êtes en affaires, vous faites faire des papiers légaux, tout ça. faut payer des thèmes. C'est pas pour, c'est pas, là, c est, c est pas pour envoyer le papier par la malle, là, OK? C'est, comme un saut. C'est un saut légal. C'est une reconnaissance légale. C'est comme un petit papier. C'est comme des thèmes. Puis, c'est collé sur le papier. Puis, mais là, ça va vous coûter 1%, 150 pour une de valeur de 15 000. Les honoraires, honorarios, ok, 2%, ok, euh, 300 dollars US, maso ou plus ou moins. Et puis ça, ça va nous donner, disons, c'est une transaction de 15 000 dollars, environ 825 dollars de frais. Donc ça, c'est euh, en fait, euh, bon, les, 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 les chiffres comme m'a justement partagé. Euh, mon, mon, mon avocat, en fait notre avocat en préparation pour euh, l'émission. Donc, j'espère que ça, que ça vous aide. Et puis, n'oubliez pas que les frais euh, honorarios, les, les honoraires professionnels, sont payés effectivement par, euh, par euh, l'acheteur. Donc, euh, bon, euh, ici. Bon, euh, existe-t-il des fiducies escrocs euh, plus pour des automobiles sinon les délais sont parfois longs et combien de temps on peut attendre en stand-by? Laisse-moi relire euh, ta question, Jacques, puis penser une minute, je vais essayer de me calmer puis voir. Existe-t-il des fiducies escrocs pour, plus pour des automobiles sinon les délais sont parfois. Bien, il y a des escrocs, des fiducies ici pour l'achat d'une maison. OK? Pour l'achat d'une auto, je crois que non. Mais je pense que ça ne serait pas impossible si là vous parlez d'un auto avec disons peut-être un peu plus euh, un peu plus haut de gamme ou des transactions avec un peu plus euh euh, de plus haute valeur, okay? Parce qu'au Costa Rica comme euh, au Canada, euh, écoutez euh, ici, il y a des Citroën, il y a toutes sortes d'affaires, des BMW, il y a toutes les marques d'auto. Euh, tu quand vous en allez vers le centre euh, du pays, il y a toutes les marques d'auto imaginables. Donc, si c'est un montant assez important, euh, c'est quelque chose que vous pourriez honnêtement, c'est une bonne question euh, auquel c'est la première fois que je suis confronté. Mais en principe, je dirais que oui, parce que le système existe et ça, c'est géré en, fond, en collaboration avec vos avocats. Donc, je vais m'avancer. Ma, en disant que oui, euh, mais votre avocat va vous conseiller, puis je suis sûr qu'il va vous présenter des bonnes alternatives pour ça, mais c'est une sacrée bonne question, puis j'aime ça, des sacrées bonnes questions. Euh, ben, Jacques Chalifou, je parle de transférer l'argent, ben Jacques, pour transférer l'argent, euh, en fait, euh, oui, ça peut se faire à travers un escroc. Et puis, bon, moi, ce que je vous recommande, c'est que si vous êtes rendu au point, où vous voulez acheter un véhicule au Costa Rica, euh, vous devriez être déjà dans le processus probablement d'avoir même déjà un compte de banque au Costa Rica. Donc, transférer de l'argent via votre compte de banque à vous au Costa Rica, c'est quelque chose de, qui est assez euh, facile à faire. Ça prend quelques jours, trois, trois jours, quatre jours, cinq jours, six jours, une semaine au Costa au plus tard, ok? Euh, donc là... Une autre petite question, OK. Euh, 2 c'est les honoraires de l'avocat. Oui, je vais remontrer ici le petit tableau, euh, José, juste pour toi, OK. Euh, donc ici, voici le petit tableau. Euh, trespasso, OK, impuesto, c'est les taxes, OK, et puis le transfert, 375 US, les thèmes, 150, les honoraires, c'est 2 pour 300 US, un total de 825 dollars. j'espère, euh, José, que ça répond euh, à votre question. Euh, donc, euh, bon, tes prix étaient en US, est-ce qu'on peut les payer en Colomb? Bon, très bonne question de Danny Walsh. Oui, en fait, vous pouvez transiger euh, pour les autos euh, des deux façons. Donc, généralement, comme dans Costa Rica Auto, les prix sont affichés euh, en, en Colonnais, mais la conversion en dollars américains est de suite en bas, généralement. Elle est attachée à ça. Donc, vous pouvez... Euh, vous pouvez euh, vous pouvez gérer ça des deux des deux façons en fait. Mais euh, si vous achetez une auto un auto d'un particulier, euh, ça va être ça va être annoncé euh, en colonaise. Dans les concessionnaires, c'est beaucoup annoncé aussi en, en, en colonaise, mais ils vont vous donner l'argent l'équivalent euh, en américain. Ok, mais un petit conseil, les amis, faites vos conversions aussi vous-même, ok? D'après les sources de sites, euh, okay? de, de réputés, parce que évidemment, il y, y a des entreprises au Costa Rica qui vont la faire la conversion pour vous. Ils vont vous le convertir en dollars américains, mais ils vont vous vendre le dollar américain, okay? Des fois, c'est comme ça, même dans des restaurants, ce genre de choses-là. Il faut faire attention à ça, ok? Donc, euh, quand vous dites, donc euh, quand vous dites en dollars en, dollar, en dollar américains, euh, bon, euh, moi ça en dollars américains. Il va te l'offrir en dollars américains, il va être bien content de te vendre des dollars américains. Ok, donc faites vos travaux. Ok, vérifiez c'est quoi le taux de conversion. Si vous pensez qu'il y a une exagération, ça se dit. Hey, wow, wow, pète, pet. Ok, il y a une exagération. Ok, bon ça, ça couvre pas mal. Là, je pense que tu sais fait que plus avantageux en colonie ou en US, ben c'est, je pense qu'il n'y a pas ben ben en fait grande différence. Ça dépend de, de ça, ça dépend du taux du jour donc c'est un calcul qu'il faut que c'est un calcul qu'il faut que vous faites ok donc euh, ça va dépendre du, du taux d'échange qui vous est offert puis de t'sais. donc euh, si, la personne, si la personne a le prix affiché en dollars US puis vous avez les dollars US puis la valeur est bonne donc apprenez à faire la conversion entre autres à partir du, du site du ministère euh, des finances du Costa Rica qui va vous donner la, la valeur au livre euh, dans Costa Rica Autos aussi les amis ok c'est à peu près le meilleur Comparateurs que vous pouvez avoir, OK? Si vous voulez, même si vous voulez acheter une auto d'un de, de, particulier ou quelque chose, vous voulez vendre votre auto, vous ne savez pas c'est quoi le prix, allez dans Costa Rica Auto, faites indiquer l'année, la, la marque, les spécifications de l'auto. Ça va vous donner les, Vous allez voir toutes les autos qui sont sur le marché. Ils vont vous en sortir 10, 15, 20, 30. Donc, ça va vous donner une bonne indication aussi le, le deal que vous avez en train de, de faire si c'est si une bonne chose. Euh, bon. Jacques Chalifou, désolé, vous en avez peut-être parlé. Il y a une taxe genre TVA de 13% sur l'achat. Non, les, tout ce que j'ai euh, expliqué tantôt, euh, mon cher Jacques, le tableau que je vous ai présenté, c'est tout ce que ça implique. Okay? Maintenant, la seule chose que je n'ai pas mis là-dedans, ça serait comme qu'est-ce qui pourrait représenter peut-être euh, une inspection mécanique. Une inspection mécanique pour faire une révision pour un automobile, euh, ça ne devrait pas être tellement, tellement dispendieux. Okay? Ça devrait chiffrer entre les 20, 30, 40, 50, 60 pas plus que ça, ok. Donc euh, et ça, les amis, là, avant qu'on termine euh, l'émission. N'oubliez pas, si vous n'avez pas fait votre hashtag Pépito. Là, OK, j'avais dit que j'étais pour parler, puis je vais faire ça brièvement. Je vais faire une émission bientôt, les amis. Là, on a fait sur l'achat de l'auto, mais je vais faire une émission sur, euh, sur la conduite automobile au Costa Rica. Ça va être un sujet aussi qui va être très intéressant. Je vais vous donner des bons conseils pratiques. Mais avant de conclure aujourd'hui, je vais quand même vous en donner quelques-uns euh, aujourd'hui, avant qu'on fasse le petit tirage tantôt. Je vais y aller ici, puis je vais retrouver mes bannières. OK. Bon, je vais vous en donner juste quelques-uns, quelques petits conseils routiers, OK? Là, le premier ici, ça s'appelle le ceda el paso. OK, je le mets parce que c'est un mot que peut-être beaucoup de gens, ils connaissent pas. Donc, euh, en fait, ça veut dire céder le passage. Puis je le mets, ça, parce que, moi, je trouve que là, je vais vous partager ce que je pense sont les trois, quatre plus grands risques routiers au Costa Rica. Puis après ça, on va conclure avec ça. Okay? Donc, le Sada El Paso, en fait, là, je vais essayer de trouver ma petite photo parce que moi, j'aime bien les visuels parce que je trouve que ça parle beaucoup. Puis, euh, là, euh, c'est de le Paso. Le voici, OK? Donc, ça, c'est une image familière du Costa Rica, OK? Souvent, vous allez arriver au Costa Rica, surtout quand vous êtes en, dans les régions, vous allez vers le Guanacaste, le coin de Samara, Tamarindo, tous ces beaux coins-là, OK? Vous, vous avez loué votre auto, vous avez acheté votre auto, vous en allez, puis là, vous allez voir, le, le pont, là, c'est une voie, OK? Bon, les amis, faites toujours attention, parce que quand vous arrivez quelque part, puis il y a une voie, il y a un des deux côtés qui a droit de passage. Donc, le petit triangle rouge et blanc, Seda El Paso, ça veut dire que vous, vous devez laisser passer la voiture qui s'en vient dans la Direction inverse. Donc, vous, vous devez arrêter et laisser euh, le droit de passage euh, okay, à l'autre conducteur. Très important parce qu'il y a des touristes qui arrivent au Costa Rica, del paso, ça donne ça ne lui dit rien, ils ne sont pas familiers avec cette enseigne-là. Ils arrivent dans ces ponts-là d'une voie à grande vitesse et puis ça peut avoir, les amis, des conséquences graves. Donc, c'est la petite leçon d'espagnol en même temps, pratico pratique liée. OK? L'autre chose, les amis, moi, je dis toujours aux gens euh, si vous n'êtes pas familier avec le territoire, vous n'êtes pas chez vous, tout ça, s'il vous plaît de grâce, évitez de conduire la nuit. OK? Évitez de conduire la nuit. OK? Beaucoup d'accidents dans des routes secondaires au Costa Rica, la nuit. Euh, OK? Parce que, OK? La nuit au Costa Rica, OK? En fait, il n'y a pas juste des véhicules, ok Il y a, y, a, y a des gens sur les routes, il y a, y a des chevaux, il euh, y a des vaches sur les routes, ok Et Ça c'est le volet beaucoup plus culturel, traditionnel du Costa Rica, qui est encore très, 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 très présent. Donc, dès que vous en allez dans les régions, les amis, essayez d'éviter de conduire, euh, ok, la nuit, euh, ok, pour euh, vous retrouver dans un genre de situation comme ça. Il y, a, il, y a, il y a des gens, OK, euh, qui n'ont pas le, le, le RETV ALZIA, OK, ils n'ont pas leur révision mécanique, euh, ils manquent, ils n'ont pas les phares rouges, ils n'ont pas, euh, OK, ne sont pas bien illuminés la nuit, donc euh, voyagez le matin, voyagez le jour, et puis assurez-vous que si vous faites une longue distance, d'arriver avant que la nuit tombe, OK? L'autre chose au Costa Rica, OK, auquel il faut faire toujours attention, ça prend, comme dirait ma mère, des yeux partout autour de la tête, OK? Donc là, OK, un des gros risques au Costa Rica, la plus grosse cause de décès sur la route au Costa Rica, c'est les, les, les gens qui sont les victimes, c'est les gens à moto. OK? Donc, parce que les gens en moto, euh, OK? Ils se faufilent de la gauche, de la droite, OK? De partout. Euh, ils vont, ils, parfois, vous allez vous tasser vers la droite. On n'est pas habitué qu'il y ait des gens à la, vers, vers la droite quand on, disons, on prend un chemin. Le, le gars en moto, lui, il va passer, OK? À votre droite, OK? Puis ça va avoir des, euh, des conséquences très graves. Donc, faites, faites beaucoup, beaucoup, beaucoup attention à ça. Ça, c'est mes petits conseils pratiques. On va faire une émission spécialement sur ce sujet-là. Avant de terminer, OK, bon, euh, Patrice Grégoire qui nous fait un compte-rendu, c'est notre euh, René euh, Lecavalier. Euh, bon, c'est 1, 1, 0, abs, je ne sais pas, bon, je ne sais pas si c'est le 1, il est acquis. Ben, je pense que c'est 1 un, un à 0 en faveur des Canadiens de Montréal. Puis, euh, bon, Hélène qui nous dit c'est très intéressant. Bon, les amis, c'est ce qui conclut pas mal notre émission pour aujourd'hui. Je ne voulais pas m'éterniser tant que ça. Là, ce que je vais faire, c'est que... Euh, je vais euh, rajouter euh, ici à, à l'écran mon petit euh, mon petit euh, mon petit bidule de bingo de tirage. Et puis, bon, on va voir qui va se, qui va se gagner le certificat cadeau euh, de costaud 20$. Aussi, là, la, la personne, s'il vous plaît, qui va gagner euh, le certificat cadeau, je vais vous demander de prendre contact avec moi pour le réclamer. Je vais vous donner ici, avant de faire le tirage, l'adresse Uh, courriel en question, donc uh, ici, OK, via uh, okay, le compte Gmail de Pepito Live. Pepito Live Costa Rica à gmail.com, Pepito Live à gmail.com. Donc, sans plus tarder, on procède au tirage pour voir qui va se mériter un certificat cadeau de 20 de costaud. Dling, 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 dling. Précile Turcotte, félicitations. Précile, envoie-moi un petit coucou, soit par Messenger, en fait, si on est amis, Facebook ou quoi que ce soit, et ou via euh, l'adresse qu'on a mis à l'écran tantôt. Félicitations, certificat cadeau de euh, 20 de la part de Cosso. les amis, on va en avoir d'autres prix euh, à l'avenir. Euh, donc, euh, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Un dernier commentaire... Euh, Avez-vous fait le tirage la semaine dernière, dany Merci pour la question. La semaine dernière, on a essayé le tirage puis Pépito il l'a raté. Ok, donc on s'est repris aujourd'hui. Euh, c'est un nouveau bidule dans l'émission, donc euh, des fois ça demande un peu de pratique. Et Jacques Chalifou, merci, super intéressant, bravo Yves. Donc euh, c'est ça. Et les amis, merci d'avoir regardé Pepito Live. N Oubliez pas, abonnez-vous Pepito Live Costa Rica sur YouTube. Et puis on se voit à la prochaine émission la semaine prochaine. On va discuter euh, d'un sujet très intéressant que vous ne voudrez pas manquer. Euh, Avons-nous des préjugés, nous, par rapport aux costariciens? Avons-nous des jugements par rapport aux costariciens? j'ai dit non, non, non. On va en parler la semaine prochaine. Ciao.